Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Kamel Niamke, chroniqueuse web, et bienvenue dans Canapé Confiné. À la maison comme tout le monde, non pas comme tout le monde parce que moi je vais quand même bosser. Je bosse, il y a un jour d'intervalle entre les jours, lundi, mercredi, vendredi. Contrairement à certains qui restent à la maison là posés tranquille, pépère, moi je vais bosser, du coup, c'est la vie. Mais tout en respectant les mesures et les consignes quoi. Moi déjà, faut savoir que je suis très casanière. Du coup, bien avant le virus, je ne sentais pas tellement, donc je ne sens pas cette histoire de ouais, il y a le couvre-feu. Ouais, faut pas sortir, tout le monde, je ne sens pas vraiment. Sinon, quand je suis pas à la maison, je suis au boulot. Quand je suis pas au boulot, bah, je suis à la maison. Un truc intéressant à montrer ou des choses intéressantes à montrer, bah non. Non, là, il y a ma maman qui regarde la télé, il y a ma soeur qui a compté, mais elle voudra pas que je la montre, donc rien. Si je montre maman, je monte. Il y en a de drôles, il y en a de pénibles. Je vais vous raconter, genre, un jour, peut-être pendant le tournage, bien évidemment, nous, je crois qu'on a marché, c'est-à-dire à pied, pour trouver des intervenants. Danumombo, jusqu'au pont. Les gens pensent que c'est facile, hein, les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Maintenant ça va, maintenant sincèrement j'appréhende pas, je m'en fous, je vais, je tourne, je kiffe quoi, puis je rentre. Maintenant quand je vais, genre je suis contente, ouais, je vais rigoler et tout. Mais avant j'appréhendais, genre la première saison, les premiers épisodes et tout, j'appréhendais parce que c'était quand même pas évident d'aller poser ce genre de questions aux gens. Surtout que c'était nouveau et tout, les gens n'étaient pas tellement réceptifs. Donc c'était un peu compliqué. Mais maintenant ça va, je gère. En ce moment j'écoute plein de titres. J'écoute Dadju featuring Nekfeu, que j'écoute en boucle déjà. J'écoute Shayzy, j'écoute tout son album. L'album, tous les titres de son album, de son dernier album. J'écoute Iselt, Core, Rien à prouver. J'écoute Lose and the Yakuza, Dilemme, Gore, Solo. J'écoute, il y a le tout dernier de Kendrick Roland qui est sorti, que j'écoute aussi. J'écoute, ça s'appelle comment la boule, j'oublie son nom. Coucou, lala. Meryl, voilà, j'écoute Meryl. J'écoute, voilà, ce sont tous ceux que j'écoute en boucle en ce moment. Il n'y a pas d'ivoire dedans, mais bon, voilà. C'est de tout simplement respecter les mesures afin d'éviter la propagation du virus. Bah, on a envie que ça finisse, bah, faut rester tranquille, quoi. On a envie que ça finisse, faut tout faire pour ne pas qu'il y ait encore des personnes contaminées et tout. Donc, du coup, respecter les mesures mises en place, et puis, voilà, vous connaissez la mesure, hein. Restez à la maison, sortez quand c'est nécessaire. Portez le cache-nez, les gants si vous pouvez. Et puis, désinfectez-vous régulièrement les mains, lavez-vous régulièrement les mains. Évitez les rassemblements de fous. Et puis, si j'ai oublié quelque chose que vous savez, bah, suivez ça. Puis, c'était moi pour le canapé confiné. Et au revoir, je vous envoie plein de bisous. Mouah.